J'ai tenté le TNB parce que j'ai vu qu'Arthur Nozick, elle était en direction de cette école. Et qu'une des premières claques, finalement, théâtrales que j'ai prises, c'était la mouette qu'il avait montée et que j'avais vue, moi, au TNBA à Bordeaux. J'ai commencé le théâtre dans une troupe amateur où j'avais une amie où sa mère voulait qu'elle aille faire du théâtre, elle n'avait pas envie. Je lui ai dit si tu veux, je viens avec toi le premier cours vu que c'est gratuit et puis après je te laisse. Et en fait, je ne l'ai pas laissée. Et pendant ces 4 années avant le conservatoire, ça a été le début de ce goût de l'art et d'être sur scène et de jouer. Et après ces 4 ans, je me suis dit bon, bah, je vais tenter le conservatoire et puis on verra. Et en rentrant au conservatoire de Bordeaux, je viens de Bordeaux, ce qui s'est construit, c'est OK, en fait, je vais devenir acteur. J'ai vraiment envie de faire ça. Il n'y a aucun intervenant qu'on a eu où je me suis dit, ouais, en fait, j'aurais pu me passer de cette personne, soit par. C'est super ce que tu fais, j'ai envie de faire pareil. Soit, ok, c'est très bien ce que tu fais, mais je ne veux pas du tout aller dans cette direction. Et je pense que ceux qui nous ont beaucoup apporté ou qui nous ont révélés n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. Avec Laurent Poitrenaud, en travaillant ça, il nous disait, en apprenant les textes, de surarticuler, parce que la bouche se rappelle aussi. Le corps se rappelle en fait, comme un danseur quand il danse, le corps va se rappeler du mouvement qu'il y a après. Et au début, j'étais en mode non, c'est pas, ça va pas le faire. Et en fait, en le faisant, je me rendais compte que par moment dans le texte, c'était ma bouche qui serait très 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 court, mais que ma bouche se rappelait de ce qui allait arriver ensuite et que je. Il y avait pas une. Je fourchais pas en fait. Parce que ma bouche se rappelait dans quelle forme elle devait aller pour continuer. Dans les lundis tradis, on travaillait sur Phèdre avec Marie-Sophie Ferdan. J'ai joué Phèdre. C'était la scène de. Juste après qu'elle avoue à Hippolyte son amour. Et du coup, elle est avec Enon et. Juste, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as pas empêché? T'aurais dû me tuer avant que je le fasse. Et on avait fait tout un. Je dirais que voilà, ça c'est un texte, par exemple, dans une écriture, l'alexandrin, Racine, le personnage, la figure de Phèdre, le propos qui était donné à ce moment-là, où ça a été une vraie révélation de l'acteur, de l'artiste que je pouvais être. Je me dis artiste dans le sens à travailler l'art, travailler à l'endroit de la mise en scène, à l'endroit de l'interprétation, à l'endroit de la performance, à l'endroit de la musique, à l'endroit de l'enseignement aussi, à un moment donné, où. Où je sais que j'ai envie de tout faire. Et je sais pas dans quel ordre, ça on verra,
Mais j'ai pas envie de me limiter à une seule chose sous prétexte qu'il faudrait rentrer dans une case et dans un seul truc. Et qu'après, moi j'avoue pas spécialement être dans une recherche de célébrité par exemple. Et d'être juste dans... En vrai, ça m'irait très bien d'avoir une petite compagnie dans une ville et donner des ateliers à des jeunes une ou deux fois par semaine et monter une pièce avec entre potes. Ça m'irait, j'ai aucun souci avec ça. J'ai pas ce besoin de me faire un nom. Et je trouve que ça libère de pas mal de questions. Mais c'est... Ouais, enfin, je trouve ça assez super intéressant de se poser la question de, en tant qu'artiste, où est-ce qu'on se positionne par rapport à la question de la célébrité aussi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas à rechercher et que juste ça va tomber? Est-ce que... Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien.